ça va, merci, n'en rajoutez pas. Bienvenue au Muppet Show. Une fois de plus, vous allez être bigrement gâtés. Nous avons raclé les fonds de tiroir pour vous présenter une très grande vedette qui va ouvrir l'émission. Attention, petits et grands, Julie Andrews. I honor you with a lonely goatherd. Loud was the voice of the lonely goatherd. Folks in a town that was quite remote heard. Lofty and clear from the goatherd's throat heard. Grâce à la magie de la télévision et puis surtout grâce à votre fidélité à vous, nous allons ajouter 1-0, 2-0, 3-0. Voilà, c'est le chiffre minimum que nous garantissons à Nuenlé, 300 000 paires d'yeux et paires d'oreilles. Je ne parle que de celle-là car nous avons aussi des ménagères de moins de 50 ans. Donc 300 000 paires d'yeux et d'oreilles vont ce soir pouvoir découvrir ce musicien important. Alors avant qu'on en soit là, ah oui, j'ai quand même d'autres choses à vous dire quand même pour le présenter un petit peu. C'est un musicien qui a 39 ans, qui est né à Paris de parents vietnamiens, qui a découvert la guitare à l'âge de 16 ans, à travers Deep Purple. Bon, nobody's perfect, mais remarquez, c'était un bon groupe, Deep Purple. Et puis, il a monté différents groupes. On l'a vu dans Ultramarine, on l'a vu dans l'ONG d'Antoine Hervé, et puis maintenant, il dirige ses formations. Enfin, il fait toujours partie du quartet de Paolo Fresu. Mais c'est un type qui a des idées, qui monte des concepts, et le concert ce soir, Jimi Hendrix, en est un. Bon, mais avant de le découvrir, j'ai quand même quelques informations, sinon je vais me faire lyncher par tous les gens qui se battent pour la cause du jazz, et puis nous essayons d'en parler au maximum. Alors, il y a un festival de jazz qui démarre à partir du 3 juin, c'est à Amiens, bien sûr, c'est le festival de jazz et de musique d'ailleurs d'Amiens, avec comme toujours une belle affiche. Entre autres, il y aura là-bas Lisa Ekdahl, et oui, la croquante petite suédoise Lisa Ekdahl. Il y aura Daniel Humer, fin batteur et bon gastronome. Il y aura Brad Meldo, Lee Konitz et Charlie Haden en trio, ce qui est pas mal. Et puis, voilà déjà, Battista Lena, on peut le garder. C'est un musicien italien, c'est un compositeur de grand talent. Et Battista sera à Amiens le 4 juin en la compagnie de la Banda Sonora. C'est-à-dire, c'est une fanfare de village italienne qui joue donc une musique pleine de gaieté, pleine de charme, pleine de soleil, comme savent le faire les Latins. Et le mélange entre les jazzmen, les musiques de Battista Lena et la banda sonora donne quelque chose de remarquable. Et peut-être que nous serons là-bas pour filmer. Enfin, je veux pas vendre la peau de l'ours, on verra bien. Sinon, Pat Metheny. Il est en tournée en ce moment, il sera à Marseille le 26, à Lyon le 27, à Nice le 28. Jazz à la Défense, du 2 au 7 juin, avec le concours, le fameux concours de Jazz de la Défense bien sûr, et puis une belle affiche avec Brad Meldo, David Sanchez, l'harmoniciste Olivier Kerr-Ouriot, qui vient de sortir un compact très sympa, très classieux, c'est Pee-wee. Et puis il y aura aussi les allumés du Rhythm and Blues du groupe Captain. Alors, on en arrive maintenant au concours VJ. Il y avait 80 fort beaux compacts à gagner et il n'y avait qu'une réponse à me donner. C'était évidemment le nom de Miles Davis. Le voici, le beau Miles. C'est lui, en effet, qui prêta sa rythmique fabuleuse. Wynton Kelly, Paul Chambers et Wynton Kelly, Paul Chambers et Jimmy Cobb, c'est lui qui avait prêté sa rythmique
à Wentworth pour son premier album qui était paru sur le label Vidge. Donc, bonne réponse, Miles Davis. Et à propos de Miles, je vous signale un coffret tout à fait extraordinaire qui paraît chez Sony, Columbia. Ce sont les grandes sessions 65-68 avec Herbie Hancock, Wayne Shorter, justement, Tony Williams. Et il y a sur ce coffret 13 inédits qui devraient donc combler les amateurs de Miles. J'en reviens au concours où il fallait me répondre. Miles Davis, je vous avais proposé quelques noms et parmi les noms que j'avais mis Thelonious Monk et Art Blakey. Eh bien, il y en a qui ont mis Thelonious Monk ou Art Blakey. Alors, il faudrait m'expliquer comment un pianiste ou un batteur peut prêter une section rythmique dont il ne fait point partie. Alors, ceux qui m'ont répondu cela, buvez un peu plus d'eau, allumez moins de pétards, et puis culturez-vous un tout petit peu plus l'esprit. J'ai la grande déception de vous dire que vous ne ferez pas partie du tirage au sort. Hein ? Non, mais c'est incroyable. Mais je vous garde quand même mon amitié, mon estime, où en suis-je ? Et ben voilà, à l'annonce du concert. Hommage à Jimi Hendrix, sur la scène d'Angoulême 96, Corinne Curselas, jolie et troublante vocaliste, Étienne Bappé à la basse, Tony Marcos à la batterie, et Nuenley, tout à fait étonnant, à la guitare. Dans la salle, ce soir-là, il y a 300 spectateurs. Ce soir, nous sommes sans doute 300 000. Youpi ! Musique. The war is here to stay. So my love, Katharina and me, decided to take our last walk to the noise of the sea. Not to die, but to be reborn, away from the land so better than torn. Such a mess, every inch on earth is a fighting nest. Giant pins and lipstick to check things, continue to wing and cause things. And the attic stains, see the blue to the red, so we turn to the sea.
right back to you one of these days. And if we don't meet no more in this world, we gotta meet in the next one. Oh, don't be late, don't be late, 'cause I'm a
Merci beaucoup. On finit avec Purple Haze.
you wouldn't allow. Mustang into your brain tonight. Or you just jump on it, you beat it now. Night riding, sturgeon knees. No time for some heavy disease. Little bit of jumping and a little bit of bumping. A happy mystery just will never get stopped. Move, move, let it out. Social innovation, make a poker top. Chop, chop, hobbling bump. Breathe, breathe, ain't no club. Wonder what it's all about. You need a steady beat to get your fat and your feet.
include a clown with a circus mind that's running wild. Yeah.
Avec Corinne Cochella, Tony Marco, Étienne Mbappé. Nuenley à la guitare à Angoulême en 96 avec son groupe dans un hommage à Jimi Hendrix. J'espère que vous avez pris grand plaisir à découvrir ce guitariste étonnant, ce musicien qui avance et qui va dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme, si je puis dire. Alors, il va y avoir deux concerts, l'un très très proche, puisque Nuen sera le 28 mai à Angoulême, toujours dans le cadre des musiques métisses. Vous voyez qu'à Angoulême, on est fidèle, et je pense que le 28, il y aura beaucoup de gens pour applaudir Nuen. Et il y aura ensuite un concert le 8 juin à Paris au New Morning. Ces deux concerts. Il s'agit là soit d'une mauvaise farce, soit d'une éventuelle campagne publicitaire.